Bonjour, mes chers élèves. Nous continuons toujours la correction des exercices de la partie, de la dernière partie, les emplois ou les utilisations du revenu. Les exercices d'aujourd'hui vont porter sur le chapitre 1 de la consommation et plus précisément l'élasticité. La prestation d'aujourd'hui va porter sur la correction d'un exercice sur l'élasticité prix de la consommation et d'autres exercices sur l'élasticité croisée. On commence d'abord par l'élasticité prix de la consommation. Partons comme d'habitude d'un exemple chiffré pour illustrer cette notion. L'exemple est le suivant. Il s'agit d'un ménage qui se rend dans un supermarché pour acheter de la banane importée, c'est-à-dire achetée de l'étranger, qui habituellement un kilogramme de banane coûte 12 dirhams. Mais, à la suite d'une augmentation des droits de douane, son prix est passé de 12 dirhams à 20 dirhams le kilogramme. Donc, l'augmentation du prix d'un kilogramme de banane est due à l'application des droits de douane sur les bananes importées. L'État a décidé d'imposer ou de taxer ce produit que le Maroc achète de l'extérieur. Il y a plusieurs objectifs attendus de l'application de ces impôts sur les achats de la banane, en particulier, et des importations en général. Parmi les objectifs, donc l'objectif Le premier objectif, c'est réduire les importations. Réduire, c'est-à-dire baisser les importations. Pourquoi ? Pourquoi donc il faut réduire les importations ? L'État poursuit plusieurs objectifs, parmi lesquels on peut citer la réduction des importations, d'abord, pour améliorer le solde de la balance commerciale, le mizan tijari, pour aussi réduire ou freiner la sortie des devises et par conséquent d'améliorer le stock de devises dont dispose le pays, c'est-à-dire les réserves de change. Mais principalement, l'objectif principal peut être aussi la protection des produits nationaux. L'objectif de la mise en place des droits de douane, c'est pour protéger les producteurs nationaux de la banane, qui sont les agriculteurs marocains. C'est aussi pour protéger l'emploi national des paysans qui travaillent pour produire
la banane, etc. Donc vous voyez pourquoi donc on applique des droits de douane. C'est pour que les prix des produits importés deviennent plus chers et dissuader les consommateurs de consommer le produit local. C'est le cas de cet exemple. La banane qui coûtait 20 dirhams auparavant, 12 dirhams auparavant, coûte actuellement, après l'application des droits de douane, 20 dirhams. Ce ménage qui achetait auparavant 50 kg, lorsque le prix de la banane était de 12 dirhams, il n'en achète dorénavant que 25 kg. Donc, l'objectif des droits de douane a au moins joué son rôle pour ce ménage. Le travail à faire. Il faut calculer la variation relative du prix de la banane. Le prix. Il faut mesurer l'augmentation du prix de la banane. Ensuite, il faut calculer aussi la variation relative de la consommation de la banane pour ce ménage. Et ensuite, calculer l'élasticité, prix de la consommation de la banane. Et enfin, il faut compléter une phrase que nous allons voir par la suite. Récapitulons, comme d'habitude, les données de l'exercice dans ce tableau. Le prix en 2018, 12. En 2019, 20 dirhams. La quantité achetée par le ménage était 50 kg par an. En 2019, il ne peut acheter que 25 kg. Calculons la valeur absolue. À quoi est égale la valeur absolue? C'est 20 moins 12, le prix en 2019, moins le prix en 2018, donc égal à 8. La variation absolue de la quantité, c'est 25 moins 50, donc il y a une diminution de moins 25 kg. Pour calculer la variation relative, il suffit de prendre la variation absolue divisée par le prix de base, de l'année de base, et la variation absolue de la quantité divisée par la quantité de base. Donc on aura 20 moins 12 égale 8 divisé par 12. Ça me donne la variation relative. De même pour la quantité, 25 moins 50 est égal à moins 25 divisé par 50 est égal à moins 0,5. Pour obtenir la variation en pourcentage, il suffit de prendre ces valeurs-là, la variation relative, et la multiplier par 100. Donc 66% et moins 50%. Que signifie 66%? Eh bien, tout simplement, le prix de la banane a augmenté de 66% en 2019 par rapport à 2018. Moins 50% signifie que la quantité achetée par ce ménage en 2019 a diminué de 50% de moitié par rapport à l'année 2018. La variation relative, donc, il est calculé comme suite. Le prix de 2019, de l'année courante, moins le prix de l'année de base, divisé par le prix de l'année de base, soit 20 moins 12 sur 2 égale 0,66. La variation de la quantité est calculée de la même manière. La quantité courante moins la quantité de base divisé par la quantité de base, soit 25 moins 50, divisé par 50, égale à moins 0,5. Le calcul de l'élasticité maintenant est donné par la formule suivante. La variation relative des prix de la quantité, divisée par la variation relative du prix, soit 75%. Donc, 75%, est égal à 0,75, soit 75%. Que signifie 0,75? Tout simplement que
lorsque le prix a augmenté de 1%, la quantité demandée a baissé de 0,75%. Excusez-moi, ici, il doit y avoir moins 0,75, parce que moins 0,5 divisé par 0,66, c'est, il faut noter ici, moins 0,75. En général, donc, l'élasticité prix est égale à la variation de la quantité divisée par la quantité de base, le tout divisé par la variation du prix sur le prix de base. Dans notre exemple, 20 moins 12 sur 12, le tout divisé par 20, la variation du prix, 50, 25 moins 50 sur 50 est égal aussi moins 0,75. On essaie donc de compléter ce tableau, ce texte. Quand le prix de la banane augmente de 2%, sa consommation diminue de, il faut calculer, 1%. Donc, d'une manière générale, on peut dire que quand le prix d'un bien augmente de 1%, sa consommation diminue de 2%. La réponse, quand le prix de la banane augmente de 1%, sa consommation diminue de 0,75%. Donc, d'une manière générale, on peut dire que quand le prix d'un bien quelconque augmente de 1%, sa consommation, la consommation de ce bien diminue de le résultat de l'élasticité pour ça. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur l'élasticité prix de la consommation. On passe maintenant pour traiter la notion de l'élasticité croisée. L'élasticité croisée, c'est quoi? L'élasticité croisée montre la réaction d'un ménage à la hausse du prix d'un bien X, d'accord? L'élasticité croisée mesure la réaction de la consommation d'un ménage d'un bien X à la suite de l'augmentation du prix d'un bien Y. Par exemple, un ménage qui consomme avant l'augmentation du prix du beurre, qui coûtait en octobre 2019 par exemple 50 dirhams, le prix en novembre a augmenté à 70. Donc le prix d'un kilogramme de beurre a augmenté de 20 dirhams, passant de 50 dirhams le kilogramme à 70 dirhams le kilogramme. Nous allons voir maintenant quelle sera sa réaction. Est-ce qu'il va continuer toujours à consommer le beurre bien que son prix a augmenté? Ou bien il va trouver une solution. Par exemple, s'adresser à un produit substituable. Renoncer ou réduire la consommation du beurre et le remplacer par exemple par l'huile d'olive, le remplacer par la margarine, etc. Le travail à faire, il s'agit de calculer l'élasticité de la demande de la margarine à la suite de la hausse du prix du beurre. La margarine est prise comme bien X, le beurre c'est le bien Y. Ensuite, lire le résultat obtenu. Et enfin, interpréter la relation qui existe entre le beurre et la margarine à la lumière du résultat obtenu. L'élasticité, faites attention, hein, l'élasticité
croisée est donnée par la formule suivante. Je prends la variation de la quantité du bien X, la variation de la quantité, hein, du bien X divisé par la quantité X, le taux divisé par la variation du prix des produits Y. Dans notre cas, c'est le beurre. Nous voulons savoir maintenant quelle est la réaction de ce ménage. Quelle est sa réaction lorsque le prix du beurre est passé de 50 à 70%. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va continuer toujours à augmenter, je l'ai déjà dit, augmenter sa consommation, à continuer toujours à consommer le beurre bien que son prix a augmenté, ou réduire sa consommation, ou l'annuler même, et s'adresser à la consommation d'un autre bien. Donc, l'élasticité croisée dans ce cas est égale à la variation de la quantité. 3 moins 1 égale 2, divisé par 1, la quantité de base. Le taux divisé par la variation du prix, c'est-à-dire 70 moins 50, soit 20, divisé par 50. Donc, en fin de compte, nous allons calculer l'élasticité croisée de comme suite. La variation de la quantité, il consommait auparavant 3 kg aujourd'hui il consomme 3 kg et auparavant il ne consommait que 1 kg de margarine. Donc 3 kg consommés actuellement moins 1 consommé auparavant sur 1, divisé par le prix du beurre d'aujourd'hui moins le prix du beurre en octobre, divisé par le prix du beurre en octobre. On aura donc 3 moins 1 égale 2, divisé par 1. Le taux sur 70 moins 50, ça fait 20, divisé par 50, est égal à 5. Que signifie 5 maintenant? 5 signifie que lorsque le prix du beurre a augmenté de 1%, la quantité consommée de la margarine a augmenté. J'ai trouvé un résultat positif, 5. Il y a une augmentation. Donc lorsque le prix du beurre a augmenté de 1%, la quantité achetée de la margarine a augmenté de 5%. En général, parce que la valeur, nous allons le voir par la suite, la valeur de l'élasticité peut être soit positive, comme c'est le cas ici, négative ou nulle. Ici, nous avons trouvé une élasticité positive, donc l'élasticité croisée est supérieure à 0. Nous pouvons conclure que les deux produits, le beurre et la margarine, sont dit des produits substituables. Le terme substituable, vous l'avez déjà vu au début du programme de l'économie générale de la première année, lors de la classification des biens. Deux produits sont dits substituables lorsque l'un peut remplacer l'autre. Lorsque l'un peut être remplacé par l'autre. Nous passons maintenant au deuxième cas. Il s'agit de la consommation d'un ménage qui consomme l'huile de table pour l'utiliser pour la cuisson des pommes frites, la pomme de terre. Auparavant, le kilogramme de pommes de terre coûtait 3 dirhams. Aujourd'hui, en novembre, il coûte 7 dirhams. Lorsque le prix de la pomme de terre était de 3 dirhams, ce ménage consommait 10 litres par mois.
d'huile de table. Nous allons voir est-ce qu'il va continuer à consommer la même quantité d'huile lorsque le prix de la pomme de terre a augmenté. Non, comme vous pouvez le voir sur le tableau. Le prix de la pomme de terre est passé de 3 à 7 dirhams. La quantité consommée de l'huile, des huiles de table est passée de 10 à 5 dirhams. Donc il a consommé moins. Pourquoi il a consommé moins d'huile? Parce que le prix de la pomme de terre a augmenté. Il ne pouvait pas acheter la même quantité. Calculons maintenant l'élasticité. Et on vous demande de calculer, comme tout à l'heure, l'élasticité de la demande de l'huile de table face à la hausse du prix de la pomme de terre. Lire le résultat, dégager la relation qui existe entre la pomme de terre et l'huile de table, de bien. Nous allons voir tout de suite la relation qui existe entre ces deux biens. Donc, là, comme tout à l'heure, calcul de la variation d'abord. 10 litres moins 5 litres est égal à... Donc, 5 moins 10 égale moins 5, moins. 7 moins 3 égale 4. L'élasticité sera donc 5 moins 10 divisé par 10, donc moins 5 divisé par 10. La variation absolue des huiles de table, c'est moins 5. Il faut ajouter un moins là-bas. Donc, on a moins 5 divisé par 10. Le taux sur la variation du prix, 4 divisé par 3, le prix de l'année, du mois de base, de la période de base, est égal à moins 0,375. Que signifie ce chiffre? Eh bien, tout simplement, lorsque le prix de la pomme de terre a augmenté de 1%, la consommation des huiles de table a diminué de 0,375. Donc en pourcentage, lorsque le prix a augmenté de 100%, la consommation des huiles de table a diminué de 37,5%. Donc, lecture, nous l'avons déjà signalé. Lorsque on a trouvé une élasticité ici négative, comme vous pouvez le voir, la relation qui existe entre les pommes de terre et les huiles de table représente les deux produits sont dits complémentaires. L'un complète l'autre. Donc lorsque l'élasticité croisée est négative, cela signifie que les deux produits sont complémentaires. Voyons maintenant le cas numéro 3. Ce tableau, il exprime la quantité consommée de sucre avec le prix de l'essence. Nous allons voir la relation qui existe entre les deux. Quelle est la relation qui existe entre le sucre et l'essence, on peut dire qu'il n'y a pas de relation. Donc, comme tout à l'heure, il faut calculer l'élasticité, lire le résultat, interpréter le résultat obtenu, dégager la relation qui existe entre ces deux biens qui sont le sucre et l'essence de la voiture de ce ménage. La quantité consommée de sucre, il consommait en octobre 12 kg, en novembre 12 kg, il n'a pas changé. Donc, la quantité consommée reste stable, n'a pas changé sa consommation. Le prix est passé de 10 à 12, il y a une augmentation du prix de l'essence de 2 dirhams par litre. L'élasticité, donc, c'est 12 moins 12 sur 12, est égal à 0 divisé par 12. Le tout sur 12 moins 10 est égal à 2 sur 10. Donc, 0 divisé par 2 est égal à 0. L'élasticité, dans ce cas, est nulle. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de la lecture de lorsque le prix de l'essence a augmenté de 1%, la quantité consommée de sucre n'a pas changé. La relation entre les deux biens, donc, si l'élasticité est nulle, les deux biens sont indépendants. Il n'y a pas de relation entre les deux biens. Voilà donc une récapitulation. L'élasticité croisée, il peut être soit supérieur à 0, soit inférieur à 0, soit est égal à 0. Dans le premier cas, il s'agit, si il est positif, les biens sont dits substituables. Si l'élasticité croisée est négative, il s'agit de deux biens complémentaires. Et enfin, si l'élasticité est nulle, les biens sont dits indépendants. Voilà donc ce que
nous pouvons dire sur la notion de l'élasticité prix de la consommation et de l'élasticité croisée. J'espère bien que vous avez donc retiré, que vous avez compris. Je vous remercie infiniment et merci pour votre attention.